Salut à tous, c'est Hermès. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Je vous ai prévenu, nous disait Jérôme Powell. Donc rien d'étonnant par rapport à ce que nous sommes en train d'observer actuellement sur les marchés financiers. Des bons résultats. Côté Apple, on va en parler bien sûr. Et Coinbase à la surprise générale. J'aimerais également vous en parler ici. Et on va faire une vidéo dédiée. Parce que généralement, vous savez, on fait des vidéos le vendredi. C'est plutôt des lives. Mais comme c'est les vacances, on reprendra à partir de la semaine prochaine. Je vais vous parler du parfait. DCA, c'est plutôt à la mode actuellement, notamment sur Twitter. Il y a des pour, il y a des contre, il y a des défenseurs et des détracteurs de ce mode d'investissement en dollars cost average. J'aimerais qu'on fasse une vidéo et je vous donne complètement mon raisonnement et mon point de vue par rapport à ça et en quoi ça peut peut-être vous permettre d'atteindre vos objectifs de liberté financière. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord pardon, des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle La stratégie des quatre rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. J'utilise depuis plusieurs années et cette stratégie à devenir obsolète d'ici une dizaine d'années et je vous explique pourquoi dans cette vidéo on commence tout de suite avec bitcoin toujours demande de range 31 000 27 000 dollars tant qu'on ne résout pas au nord comme au sud et ben malheureusement on est tout simplement en train de taper des bandes de range haute basse on est toujours en plein milieu de ce magnifique range le pire endroit pour pouvoir prendre une position pour pouvoir ce, ce comment on dit pour une position ou en tout cas trader en plein milieu d'un range c'est très difficile vous êtes en plein sur le volume profile ici attendez les extrêmes vendeurs à découvert bah, essayez plutôt d'aller chercher les extrêmes aux alentours des 30 31 000 dollars et les longs hein, qui aiment le range trading bah, voyez plutôt les 27 000 voire sous les 26 000 dollars pour aller chercher des poches de liquidités qui continuent à s'accumuler avec le temps sur ce marché. Ni plus ni moins, hein, pas plus de choses à dire. Côté actualité, peut-être une petite chose très pertinente. C'était juste ici au niveau des inscriptions hebdomadaires au chômage. Ça pourrait éventuellement faire sourire Jérôme Powell. 242 000 demandeurs d'emploi supplémentaires aux États-Unis, au-dessus, très légèrement au-dessus du consensus. Bien que le marché de l'emploi tend à bien se maintenir, puisqu'on avait eu bien au-delà du consensus par rapport à la création d'emplois de non agricoles. Donc c'était mercredi, avant-hier, 293 000 nouveaux emplois créés aux États-Unis hors agricole et taux de chômage toujours sur un consensus. De 4,6%. Nous sommes vendredi, réponse 14h30 qui pourrait éventuellement donner un tout petit peu de volatilité sur les marchés. De là, nous donner un directionnel. Je ne pense pas qu'il fallait réellement un changement de paradigme, mais Jérôme Powell ne nous l'a clairement pas donné. Ce changement de paradigme. Il reste droit dans ses bottes, Jérôme Powell. Donc pour l'instant, le marché tient, le marché. Euh, est incertain, donc on peut avoir et retrouver une forme de volatilité, qu'elle soit haussière ou baissière. Prenez des profits lorsqu'ils se présentent, ne vous surexposez pas et ne soyez pas surpris si on venait à chercher des bornes basses par rapport à ces biseaux d'élargissement qui sont les plus difficiles à trader, parce qu'on pourrait se retrouver relativement rapidement sur les 17 000 dollars si un cataclysme venu de nulle part venait à surprendre l'intégralité du marché, que ce soit traditionnel. Ou notamment crypto-monnaie. Ça peut être ce que vous voulez, ce qu'on appelle un black swan. Au minimum, on viendrait probablement taper cette borne de canal basse, ici de ce binôme d'investissement 17 000 dollars. Ça tombe bien. C'est un point d'entrée que j'ai depuis plusieurs jours, maintenant voire semaines, pour pouvoir me réengager sur ce marché. Je suis toujours dans mon long actuellement, donc je prends des profits lorsqu'ils se présentent. Pour l'instant, ils se il se présente strictement rien, donc j'ai déjà pris des premiers TP, on le voit ensemble hein, depuis plusieurs jours maintenant, voire plusieurs semaines, TP1 ici, TP2 ici, le TP3 sera donc le plus important aux 35 800 dollars, en dessous des 36 000 dollars, en dessous de ce premier arrêt, on avait éventuellement essayé d'encadrer d'autres petits longs avec des TP qui sont déjà gagnants ici, donc euh, plutôt intéressant de l'observer, faites attention à partir bien en stop profit ici, puisqu'il n'est pas complètement impossible de voir quelque chose, comme ceci, hein, ce serait presque une logique in, in, implacable, chasse au stop acheteur complètement évident pour pouvoir nettoyer ce train qui continue à, à s'alimenter hein, de longues comme de baires ici. Hein, on voit au niveau des open interest qui continue à s'apprécier. Faites attention, plutôt en faveur des longues ici, hein, puisqu'on a plutôt un ratio long short en défaveur des shorteurs et des vendeurs à découvert. La tendance restant haussière et la tendance restant notre ami, eh ben c'est juste formidable. Cherchons plutôt des achats ici. Et faites attention, trader, hein, comme investisseurs, qu'est-ce qu'on achète Les creux. Évidemment, hein, on n'achète pas en plein d'arène, on achète des creux, donc soyez patient et laissez le, le marché venir à vous et si jamais il ne vient pas à vous, à ce moment-là, prenez le prochain train, il sera devant nous très prochainement, soyez complètement rassurés par rapport à ça. J'aimerais vous parler d'une petite stratégie qui continue de tourner pas mal actuellement sur, euh, sur Twitter, j'ai vu ça, il y a beaucoup de détracteurs et je trouve ça relativement intéressant de, de l'observer. Euh, quel est mon DCA, pourquoi mon DCA, c'est mon DCA, et puis il y a beaucoup de personnes qui disent arrêtez avec votre DCA, ça sert strictement à rien, arrêtez de penser que les performances passées reflètent les performances futures, etc. et tout e quanti, ben, Je pense que ce n'est pas une mauvaise approche. Et je vais tout à fait honnête avec vous, aujourd'hui on a beaucoup de stratégies, nous, influenceurs ou analystes financiers ou youtubeurs, vous pouvez les appeler comme vous voulez, et ben, en réalité il faut vraiment comprendre quelque chose de capital. Qu'est-ce que c'est C'est que toutes nos stratégies tendront à devenir obsolètes dans le temps. Pourquoi c'est extrêmement simple à comprendre. Vous avez en fait une première chose à, 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 à capitaliser, c'est que toutes nos stratégies ne sont que obsolètes sur des trackers et des ETF qui reprendront ce qu'on pourrait appeler un fonds indiciel crypto. Toutes nos stratégies deviendront obsolètes. Pourquoi toutes nos stratégies deviendront obsolètes bah En fait c'est très simple, puisque toutes les stratégies passées sur les marchés traditionnels ne surperforment pas les trackers ETF et les fonds indiciels. Ça ne les surperforme pas. Donc, at, je parle dans 95% des cas. Dès lors, la stratégie 4 rois, oui, surperforme aujourd'hui Bitcoin. Surperforme aujourd'hui Ethereum. Difficilement, hein, depuis 2019, difficilement surperforme Ethereum. Mais dans l'idée, surperforme le crypto total. Et c'est clairement ce que je recherche à faire aujourd'hui, personnellement. Il faut bien le comprendre comme ça. Mais dans 10 ans, il faut comprendre que probablement que cette stratégie deviendra ni plus ni moins qu'obsolète. Pourquoi Parce que ne surperformera donc plus le marché. Aujourd'hui, c'est assez simple de le comprendre et c'est assez simple de surperformer le marché. Pourquoi Parce que on représente une forme de cyclicité. On a cette cyclicité des marchés, qu'on le veuille ou non, que ce soit des pullbacks, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Aujourd'hui, on a la possibilité, avec juste un traçant de Fibonacci, d'acheter des zones de rechargement d'achat, première classe, éco-classe, et ça tend à se reproduire cycliquement dans le temps à chaque halving. Donc tous les 4 ans, il y a une forme de cyclicité sur ce marché, et notamment le marché Bitcoin, et Bitcoin, lidant l'ensemble des cryptoactifs et nos cryptoactifs préférés, nous représente en fait, cette forme de cyclicité. Vous pouvez prendre n'importe quel actif, c'est très cyclique en réalité. Alors, beaucoup de nos cryptoactifs, évidemment, viennent chercher les bas-fonds du désespoir des enfers et creusent encore, je le comprends tout à fait, avec des drawdowns de parfois moins 99,2%. C'est très difficile à accepter. On peut presque penser que celui-ci est mort. Je parlerai par exemple de EOS et je pense que EOS pourrait nous surprendre. Par rapport à une blockchain d'infrastructure. Donc il ne faut pas trop mettre les choses vite de côté, puisqu'on peut être très surpris dans des retournements de cycle haussiers. Donc retour de bull market. Actuellement, on n'y est pas du tout. Je ne l'encadre pas du tout. Je pense qu'on va aller chercher les précédents lots. En tout cas, on ira chercher les précédents lots très prochainement dans une forme de cyclicité qui s'est déjà reproduite pas une fois, pas deux fois, mais trois fois. Et certains diront, bah, ce n'est pas suffisant. Oui, mais nous n'avons nous que ça. Hein Bitcoin n'a que 13 ans d'existence ou 14 ans d'existence. Donc c'est très difficile de pouvoir en fait essayer de dynamiter ou dynamiser une stratégie par rapport à un si peu d'historique. Et quand on vous avait beaucoup d'historique, et je parle de ça de 50 à 70 ans d'historique. À ce moment-là, vous allez me dire quelque chose. Ouais, mais les performances passées ne reflètent en rien les performances futures. Et je pense que c'est là où on fait erreur parce que toutes ces performances sont directement inclus dans un système financier et un système mondialisé. Qui aujourd'hui ne tend pas à être modifié. Il peut être polarisé, on peut avoir éventuellement des fractures vis-à-vis -vis de l'hégémonie du dollar, etc. Mais le système en tant que tel ne tend pas à se révolutionner, ne tend pas à se modifier, se modifier dans son ADN pur. Dès lors, on peut presque penser, et je pense que c'est une bonne idée de penser, que oui, les performances passées peuvent surperformer ou sousperformer les performances futures, pardon. Les performances passées peuvent sur-sousperformer les performances futures. En somme, je pense quoi Je pense qu'on ira plus haut, plus vite et plus fort dans les prochaines années. Pourquoi Parce que le système tend à s'auto-alimenter. Un système de dette s'auto-alimente par plus de dettes. Et c'est clairement ce que j'encadre aujourd'hui. Ça, c'est une vision très personnelle. Hein. Soyez-en complètement rassurés, soyez complètement sûrs par rapport à ça. Je peux complètement me gourrer et je pense très franchement que personne ne veut que ce soit différent. Hein, personne ne veut dans un système de dette moins de dette. Parce que sinon, on aura d'autres problèmes que de regarder nos graphiques, si vous voulez. On partira dans une déflation extrêmement dure et dans une, dans une dépression extrêmement sévère partout dans le monde si du jour au lendemain, nos gouvernements et nos banques centrales décident de... Euh, on nettoie nos bilans. On, personne ne veut ça. Parce que ça va être très difficile pour les classes les plus modestes, pour les classes moyennes et même pour les classes aisées, pour être tout à fait franc avec vous. Donc ça, c'est quelque chose à bien j'ai presque envie d'encapsuler et de graver au fer rouge tant que celui-ci ne vient pas à être euh, désolidarisé. Tant que ça ne change pas, bah, il faut garder en fait cette voie-là et ce chemin-là. C'est clairement une autoroute aujourd'hui qui a été tracée depuis les 70 dernières années et je ne vois, en, je ne vois pas en quoi ce serait différent du passé vis-à-vis -vis du futur. Donc les performances futures seront très probablement surperformantes vis-à-vis -vis des performances passées. Ça c'est un point de vue très personnel. Et dans des cycles d'adoption, de rupture technologiques, etc., qu'on actuellement, notamment sur les crypto-actifs, eh ben je pense qu'on peut avoir de très bonnes nouvelles. Dès lors, je vais vous parler de dollar-cost-average. Et je reprends un commentaire de Baptiste. C'est Baptiste qui nous avait fait un commentaire sur, sur, sur YouTube. Il y a eu, je crois que c'était lors du précédent live. Je trouvais ça très intéressant. Et grosso modo, il me dit bah, Qu'est-ce que tu penses de mon dessert En tout cas, il, il, il lance son dessert. Bah, voilà. J'ai du BNB, du Solana, du ADA, du Atom et du Link sur du très long terme. C'est très intéressant puisqu'on vise déjà de très long terme sur cinq crypto actifs. Alors, c'est toujours la même chose. L'objectif c'est d'être pondéré et de pondérer ces crypto actifs et d'essayer de se diversifier. Or, il y a un hic et il y a un premier. Qu'est-ce que c'est le premier hic C'est que déjà avoir une crypto, 10 crypto, 20 crypto, 100 crypto, c'est d'être 100% crypto. Donc, nous ne sommes pas pondérés néanmoins, bon, en tout cas, on n'est pas diversifié. Néanmoins, on a la possibilité d'aller surpondérer des allocations et de le diviser en sous-catégories. Par exemple, on prend des, le, vous allez prendre des, des, des projets d'infrastructure, vous allez prendre des layers 0, des layers 1, des layers 2, des euh, gaming, des, tout ce que vous voulez, et vous allez pouvoir en fait décrocher une cote par de vos crypto-actifs que vous avez pour pouvoir la surdiversifier ou en tout cas la surpondérer. Je vais prendre l'exemple de BNB, puisque Baptiste a du BNB. Bah, tu peux très bien en fait aller te diriger, Hein, C'est quelque chose de totalement rationnel et de décrocher une cote-part de ce capital dans du BIDAO, dans du CHSB, dans du EGLD, dans du tout ce que tu veux vis-à-vis -vis de tokens, ce qu'on appelle des tokens d'échange Alors oui, ce sont des tokens d'infrastructure. De, de, hein, BNB a sa propre blockchain, etc. Et pour être tout à fait honnête avec toi, il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a, a pas de souci et ça surperforme d'ailleurs, donc c'est plutôt intéressant de l'observer. Néanmoins, si Binance tombe, BNB tombe et tout tombe. Or, bah, peut-être que BitDAO ne tombera pas si Binance tombe et peut-être que le chez ou peut-être que EGLD avec Meia ou en tout cas Multiverix ne tombera pas si, si Binance tombe. Donc, dans l'idée, c'est de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, moins on a d'allocation et plus on est centré et concentré. Donc les risques par rapport à une crypto-monnaie est beaucoup plus importante. En somme, si tu as 5 cryptos et il y en a une qui tombe, c'est 20% de ton capital qui tombe. Si tu as 20 cryptos et il y en a une qui tombe, c'est 5% de ton capital qui tombe. Et c'est en ça qu'en fait, on essaye de se diversifier au sein d'un marché hyper concentré. En somme, 100% crypto. Tu as du Solana. Bah, Solana, moi je pense à ICP, je pense à EOS, je pense à Tezos, tu as du ADA, je pense naturellement à Ethereum, je pense à Polkadot, je pense à Casper. Par exemple, avec toujours la même pondération. Ça veut dire que c'est vraiment 1%, 1%, 1%, 1, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. Pas 2%, 10%, 20%, 30%, 3%. Non, toujours exactement la même pondération. Tu as du Atom Cosmos. Je pense naturellement à Avalanche, par exemple. Je pense naturellement à Nir Protocol, également. Tu as du Link, ce fameux oracle pour les gouverner tous, ou en tout cas pour les contrôler tous, AV, Uni, Compound, par exemple. Et tu en as tant d'autres comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, des blockchains et des, et des cryptoactifs et des tokens qui valent le coup, je pense qu'aujourd'hui, on peut en représenter 2000, à peu près. Je pense que 2000 cryptoactifs ont leur chance de pouvoir performer, voire surperformer Bitcoin. 2000 cryptoactifs sur 25 000, ce n'est pas tant que ça. Hein, vous voyez qu'on est déjà dans le... Dans le, petit, euh, dans le petit cercle de moins de 10% ou 10% des tokens qui peuvent éventuellement être encore là dans 10 ans. Je pense que celles que tu as citées, Baptiste, sont probablement là dans, encore dans 10 ans. J'irai juste un tout petit peu plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, d'avoir peut-être 20, peut-être 30, peut-être 40 cryptos est très intéressant. Mais ce sera demain obsolète. Et vous allez comprendre pourquoi. Demain, sur ce, ce sera obsolète. Puisque si aujourd'hui je concentre mon dollar Cosaverej, ou je concentre mes investissements sur ces cryptos-là, Quid de Matic, on en fait quoi Arbitrum, on en fait quoi Bien d'autres encore, on en fait quoi Quid des gaming Parce que je, vous pouvez être un petit peu gamer, je ne sais pas si Baptiste tu es gamer, ou si tu euh, travailles dans la supply chain, il tu... y a des tokens aujourd'hui qui permettent de répondre à des réelles problématiques de la supply chain, du gaming, etc. Par exemple, Ultra dans le gaming, par exemple, Theta dans le streaming, etc. Donc on peut éventuellement également décrocher une toute petite partie de notre capital d'investissement qu'on a alloué pour le DCA, pourquoi pas, dans ce type de token. En fait, il faut juste comprendre quelque chose de naturel, que du bon sens. Il faut regarder trois choses quand on choisit en fait d'allouer notre capital, que ce soit en dessin ou autre chose, dans un projet. Un, sa décentralisation. Deux, son utilité. Et trois, sa communauté. Parce que je pense qu'on rentre aujourd'hui dans l'ère des communautés. Si vous déjà vous avez réussi à mettre des voyants verts sur ces trois points-là, vous avez probablement une longueur d'avance sur tout les autres personnes qui ne font pas ces, ces simples recherches de bon sens. Un, décentralisation, deux, utilité, trois, communauté. Et à l'intérieur même de ces crypto-monnaies, il faut regarder trois choses que je regarde systématiquement, c'est qui sont les fondateurs, qui sont les investisseurs, et très important, quel est le problème à résoudre vis-à-vis -vis de cette technologie. Est-ce que ce problème est déjà résolu par d'autres projets crypto ou dans le monde Web.2 par exemple, ou dans le monde technologique. C'est quelque chose qui sont important à comprendre. Vous avez un site qui est très perp qui est très performant et qui est très pertinent qui s'appelle Mesari. mais euh, Mesari pardon. Et Mesari, j'utilisais beaucoup pour faire mes recherches fondamentales. Donc j'utilise moins aujourd'hui, mais je l'utilisais beaucoup puisque aujourd'hui bah, je, je suis concentré dans pas mal de projets. Je tends à les tenir dans le très long terme. Mais par exemple pour sioux qui vient d'être euh, qui vient d'être listé sur Binance, sur Babine, etc. Ça peut être intéressant d'aller regarder un petit peu ce qui s'y passe à l'intérieur. DYDX qu'est-ce qu'est-ce qui en devient au niveau des news, au niveau des événements, au niveau de tout ça. Donc Mesari est un outil extrêmement puissant pour la recherche fondamentale. Je vous recommande d'aller faire un petit tour et vous avez beaucoup de données gratuites, hein, sans passer par le compte professionnel, mais de données gratuites pour déjà déblayer une très grande partie des red flags, en tout cas pour pour mettre en, en exergue les premiers red flags, si vous voulez, par rapport au token. Après, vous avez YouTube et vous pouvez regarder bien sûr quelques influenceurs sur YouTube. Ce qui est intéressant aussi par rapport à Messaris, c'est j'étais j'ai été retombé là-dessus par rapport à l'allocation des, des tokens vis-à-vis -vis du de, pour le public. Et en fait, vous avez EOS. Qui est une des premières, si vous voulez, blockchain d'infrastructure, qui a mis en, 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 en vente, entre guillemets, en, à disposition du public sales, et je trouve ça très intéressant parce que ça peut en faire une des blockchains les plus décentralisées, si vous voulez, en tout cas, les, les plus communautaires, au même titre qu'Ethereum, et plus vous voyez le bleu, finalement, plus vous vous dites, ok, ça veut dire que c'est peut-être extrêmement large en termes de communauté, en termes de, de, de personnes qui utilisent ces protocoles-là, à tort et à travers. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis juste que quand, lorsqu'on voit des euh, all-team, compagnies et les VCs qui ont 40%, par exemple, pour Blockstack, ou Flow, 58%, ou Internet couvrir 40%, bah un tout petit, ou Avalanche 42%, bah c'est peut-être un peu moins sexy que du Ethereum, que du euh, Cardano, que du Cosmo, que du Tezos ou que du EOS. Vis-à-vis -vis de la euh, décentralisation, qui gère les protocoles, qui ont les droits de vote de ces protocoles, je pense qu'on va aller dans une forme d'hyper-décentralisation et je pense que c'est le chemin qu'il faut emprunter. Après, je peux complètement me tromper. Peut-être que celui qui arrivera à la fin, c'est celui qui aura le plus de tokens vis-à-vis -vis de la team, vis-à-vis -vis de la compagnie ou vis vis-à-vis des investisseurs. Et vous aurez des pump-and-dump de l'espace. Je ne dis pas que, les, que la performance sera inévitablement inclue dans la décentralisation. Je dis, je dis juste que des capitaux venus du retail viendront très probablement vers des tokens les plus décentralisés. Et généralement, les très grosses baleines se gargarisent et se nourrissent des liquidités, des liquidités du public, bien évidemment, et notamment du retail. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Donc, vous avez beaucoup, en fait, que ce soit sur leur Twitter, que ce soit sur leur site internet, des informations comme telles qui sont, je pense, extrêmement importantes. Et vous, et en fait, vous comprenez naturellement bah, que j'aime bien Ethereum, que j'aime bien Cardano, que j'aime bien Tezos, que j'aime bien Cosmo. Bah, J'aimais beaucoup EOS, pour être tout à fait honnête avec vous. Et d'ailleurs, ne le mettez pas trop vite à la poubelle, ce EOS, on peut le regarder très, très rapidement. Puisqu'on n'en parle plus, et, et, et ce n'est pas forcément à tort, hein. je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai fait mon investissement, investissement 2, j'attends juste pour un investissement 3. Actuellement, on est en train de retravailler des, des, des bottoms de 2017 par rapport à des premiers investisseurs avec des levées de fonds qui étaient cataclysmiques. Hein. C'était 2,3 milliards de dollars de levées de fonds, me semble-t-il, au niveau d'EOS hein, quand ça avait été listé sur les différents gros exchanges. Ça, ça a drainé énormément de capitaux EOS. D'ailleurs, vous avez vu la montée euh, tout de Moon de EOS. Ça a fait, je ne sais pas combien ça a fait ce truc, ça a fait fois 200, je crois, un truc comme ça. Bref, c'était juste magnifique. Ne le mettons pas trop vite à la poubelle, puisqu'il y a probablement encore des gens qui travaillent derrière c'est là votre recherche fondamentale que vous devez faire pour savoir, est-ce que ce truc est mort Oui ou non Est-ce que ce truc a encore des événements Est-ce que ce truc a encore... Oui, je pense qu'il y a encore des choses derrière. Donc je... D'ailleurs, je crois que le fondateur de EOS voulait regarder Silvergate, je crois que c'était lui qui voulait racheter Silvergate, ou il, il avait beaucoup de parts dans Silvergate, etc. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit les mésaventures de Silvergate, ou de Silicon Valley Bank, je crois que c'est Silvergate, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, mais en fait, c'est pas parti dans le, dans, le, dans, le, dans le trou noir, en fait. Ça tient. Donc, c'est relativement décentralisé. Aujourd'hui, c'est géré par une grande partie de la communauté et il y a des gens qui y croient encore en ce token. Je ne dis pas qu'il faut mettre All-in là-dedans. Je dis juste qu'il ne vaut pas trop vite les jeter à la poubelle. Ce n'est pas parce que la charte n'est pas plus belle qu'à côté, comme du Link par exemple, que la charte est extrêmement belle. Ça, c'est qu'une qu partie technique qui permet justement de vous valider et de rationaliser une idée d'investissement. La charte ne sert qu'à ça. Ça sert juste à vous dire ok, est-ce que c'est un bon endroit pour pouvoir appuyer sur le bouton acheter Par exemple, ici, même si ce, pro, même si ce projet est exceptionnel, Acheter ici n'est peut-être pas une très bonne solution, ou acheter ici n'est peut-être pas une très bonne solution, acheter ici n'est peut-être pas la meilleure des solutions, vous comprenez On cherche plutôt quand c'est horizontal, donc la technique ne sert qu'à valider une idée d'investissement et de la rationaliser. Dès lors, dans ce mode de dollar cost average, il faut juste comprendre quelque chose, il faut que ce soit un dollar pour vous. Dès lors, moi j'avais toujours mis ça en place, donc plusieurs années, notamment sur les marchés plus traditionnels, je décrochais 10% de ma rémunération. Je vous donne un exemple très simple, je gagne 2000 euros net par mois. Sur ces 2000 euros net par mois, j'alloue 200 euros par mois dans 20 projets ou dans 20 actions ou dans ce que vous voulez. Et je le divise, donc ça veut dire que ça fait 10 euros dans chaque projet, par mois, tous les mois, pendant les 20 prochaines années. Pour que notre DCA soit réalisable, soit réaliste, il faut trois choses. Un dollar. Tenu sur les très longs termes, pour moi c'est 20 ans minimum, pour être tout à fait honnête avec vous, et qu'il soit pondéré dans un panier de devises différentes. En somme, quand je dis un panier de devises différentes, ça peut être un panier de classes d'actifs différents. En somme, des actions, des cryptos, des obligations, des matières premières, des, tout ce que vous voulez. Et on peut reprendre d'ailleurs cette idée de Redalio que je pense à, à, maintenant. Redalio est un tout petit peu différent par rapport à son portefeuille des quatre saisons, mais ça peut être une très bonne représentation. Dans mon DCA, je vais allouer 25% en actions, 25% en obligations, 25% en matières premières, dont 5% d'or, ça peut être très intéressant si vous voulez éventuellement vous couvrir vis-à-vis -vis du gold, et 25% en crypto. Ça déjà, c'est une vraie diversification. 25, 25, 25, 25. Pas de problème avec ça. Et dans ces 25-25, vous allez dire, mais je ne vais pas mettre grand-chose. Oui, mais ce n'est pas la peine de mettre beaucoup non plus. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'exchanges, beaucoup de. même, je crois, des giro, vous pouvez, à partir de 10 euros, mettre dans une caisse d'actifs, ou même dans un ETF, en fait, qui représente toutes ces caisse d'actifs, à partir de 10 ou 15 euros, me semble-t-il. Donc, aujourd'hui, c'est des toutes petites sommes qui peuvent être allouées sur ce mode de l'arcoche-cheverège. Mais le secret, c'est de le tenir sur le temps. Et l'objectif, c'est de surperformer tous Les traders qui se respectent et tous les hedge funds qui se respectent, qui eux ne parviennent pas à surperformer le marché. Le marché, qu'est-ce que c'est C'est toujours la même chose c'est les indices. Hein c'est SP 500, c'est CAC 40, c'est ce que vous voulez. Voici ce que les gens n'arrivent pas à faire. En tout cas, que la grande, très grande majorité des hedge funds, des family office et de tout ce que vous voulez n'arrive pas à faire. C'est de surperformer le marché. Inflation comprise, bien évidemment, et impression monétaire comprise. En somme, si vous aviez. Commencez votre DCA il y a 20 ans en arrière. Donc ça veut dire ici, vous voyez Et que vous aviez en fait suivi la pondération de l'indice, c'est très important, c'est pas j'achète 20 cryptos là et je fais du DCA dans mes 20 actions, parce qu'en fait ça n'aurait probablement pas surperformé. Je vais vous montrer d'ailleurs, je pense, une des meilleures vidéos de Julien Flotte, je vous l'ai prise, c'est une toute petite vidéo qui dure une minute, elle est juste géniale et ça permet vraiment de remettre les choses dans leur contexte. Bah vous aurez en fait aujourd'hui à peu près... 100, 160, 200 à peu près d'augmentation. En fait, peu de personnes qui ont acheté des actions en l'an 2000, au pic de l'an 2000, ont réussi à faire 200 d'augmentation ou 170 d'augmentation. Pourquoi Parce que 90 des, des actions de l'an 2000 sont mortes. Et ouais, c'est ça le gros problème. C'est qu'il fallait à ce moment-là acheter quoi Du Apple Non, ça n'existait pas. 2004 perdu. Il fallait acheter quoi du, du Google pardon. 2004. Apple. Why not? Mais c'est déjà extrêmement haut. Il fallait tenir les moins 70% de drawdown. Du Amazon, non mais vous rigolez, vous n'allez pas acheter du Amazon à cette époque-là. Les mecs qui vendent des livres, ça n'allait jamais marcher sur Internet, c'est n'importe quoi. Ne regardez même pas les entreprises tech. Regardez toutes les autres. regardez pas les plus grosses valeurs de l'époque, mais qu'est-ce qu'on achète là-dedans? En réalité, vous comprenez que personne n'a surperformé l'indice par rapport à la pondération de ce top 500 des plus grosses entreprises, puisque 90% des entreprises qui sont là aujourd'hui n'existaient pas en 2000. Vous comprenez ça c'est super important. Je vous fais écouter ça et vous allez comprendre, lui prenez l'exemple du Dow Jones. Regardez, le TF, le vrai passif, ne fonctionne pas. Parce que c'est ça, en fait. Quand on parle de DCA, c'est de l'investissement passif et c'est une bêtise. Et je partage son point de vue à Julien Flo. Le vrai passif ne fonctionne pas. Et c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Vous regardez le Dow Jones, en fait, et vous regardez si vous aviez acheté à partir de 1998, mais vous pouvez regarder en 2010 surtout. Hein, on voit sur 10 ans déjà toute la différence que ça fait. Et on parle du Dow Jones, hein, on parle pas du Nasdaq, on parle pas du SP même, etc. Si vous achetez en 2009 les valeurs qu'il y a sur le Dow Jones et que vous les pondérez de la même manière qu'elles sont pondérées dans le Dow Jones, ben c'est la courbe rouge. Et la courbe bleue, c'est quoi en fait C'est la preuve que investir dans un tracker qui va répliquer un indice, c'est tout sauf passif, c'est très actif. Ok, c'est très actif. En réalité, je vous résume, comme ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre parce que c'est pas forcément évident. En fait, si vous voulez, si en 2010 ou en 2000 ou en 2007, vous aviez acheté une pondération de l'intégralité des, des, des actions de l'indice du Dow Jones et que vous avez en fait fait du DCA sur ces mêmes actions-là pendant les 10 prochaines années ou les 20 prochaines années, eh ben vous serez à peu près quasiment à l'équilibre. En néanmoins, si vous aviez choisi un tracker qui reflète la pondération de l'indice, mais qui évolue en permanence, puisque des entreprises qui sous-performent, je prends l'exemple d'Atos vis-à-vis du CAC 40. Bah Atos ne fait plus partie du CAC 40. Or, peut-être que beaucoup de personnes ont initié un DCA sur l'entreprise Atos et bien d'autres encore. Mais en réalité, si Atos sort du CAC 40 et que vous, vous avez encore du Atos en, 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 en portefeuille, eh ben vous ne suivez plus cette courbe de flux indiciel. Vous comprenez C'est super important. Dès lors, si vous suivez cette pondération, en fait, en somme des entrées et sorties des plus belles entreprises du CAC 40, du Dow Jones, du S&P 500, du Nasdaq et de tout ce que vous voulez, eh ben vous serez arrivé à ce point-là. Mais il faut vraiment comprendre quelque chose, c'est que les projets ou les entreprises qui étaient en 2007, 2008, 2010, bah la très grande partie, je pense que sur le Dottone c'est 80%, ne sont plus dans l'indice aujourd'hui. Ça, c'est super important à comprendre. Dès lors, aujourd'hui, si on se dit, je vais acheter du BNB, du Solana, du Ado, du Atom, du Link, du, du, de l'Ethereum, du Bitcoin et je le garde pendant les 20 prochaines années, c'est très probablement une connerie. C'est très probablement une bêtise. Dès lors, le jour où il y a un réel tracker, il y a une réelle réglementation, un réel cadre juridique au-dessus au de, au de, au, au de ces marchés cryptos, eh ben je fonce dessus, personnellement. Je me mets dessus. Et ce, sur les 20 prochaines années. Pourquoi Parce qu'on va jouir de cette pondération. La pondération, ce sera probablement toujours la même. Le fameux top 20, top 10, top 50. Top 100 des cryptos actifs. Vous allez sur CoinMarketCap et vous allez déjà regarder sur les cinq dernières années qui sont là, qui sont plus là. Mais je peux vous garantir que dans 5 ans, ce que vous voyez dans le top 50, il y a des cryptos qui n'existent pas encore aujourd'hui. Mais qui seront introduits et pondérés dans un fonds indiciel crypto qui aujourd'hui n'existe pas. C'est super important. Et ce qui est génial avec ces fameux trackers. Après que vous aimez les ETF ou que vous aimez pas les ETF, etc., vous pouvez le faire comme vous voulez, mais c'est juste beaucoup de travail pour peu de frais, en fait, parce que les, les, les frais sont généralement de 1,5% à peu près. Sur de, ça peut monter à 2,5%, ce qui est déjà très élevé hein, pour le coup sur des, sur des trackers. Et notamment, ça existe, hein, les trackers bitcoin, enfin les trackers de crypto, mais c'est généralement des entreprises de mining aux États-Unis, euh, en, en, en Europe, etc. Donc, je ne recommande pas forcément, parce que c'est plutôt là-dessus les trackers qui actuellement, quand on vous dit hein, un tracker Bitcoin, en fait, c'est plutôt les entreprises de mining sur plusieurs entreprises de mining. Donc, vous êtes 100% mining, en réalité, quand vous prenez un tracker Bitcoin, aujourd'hui, pour être tout à fait franc avec vous, hein, nous ne nous y trompons pas. Mais partez du principe que ce top 50 ou ce top 100 n'aura pas du tout la même vie, la, la même représentation dans les 10 prochaines années. Or, peut-être qu'on est en train de faire quoi avec notre dollar cost average et c'est en ça que j'aimerais en fait mettre un point d'honneur vis-à-vis de ces euh, Disparité vis-à-vis -vis de ces euh, fractures qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, je dis toujours que c'est bien d'avoir des, des avis contraires, mais expliquez-le nous, expliquez-nous votre, votre stratégie. Il y en a plein qui disent Je vous en ai marre de votre truc de DCA, ça marche pas, vous êtes, vous êtes des idiots. Mais ouais, mais explique-nous ta stratégie et en quoi on est des idiots. Là, je vous explique en quoi c'est peut-être pas la meilleure solution aujourd'hui de trouver 20 cryptoactifs préférés entre guillemets et de les pondérer pendant les 20 prochaines années. Pourquoi Parce que ces crypto là n'existeront probablement plus ce top 20 n'aura pas du tout la même représentation dans les 20 prochaines années. Ce qu'un fonds indiciel crypto nous permettra d'avoir. Donc les grands génies de cette histoire, qui c'est C'est les gens qui sont derrière leurs écrans toutes les 5 minutes à essayer de regarder les courbes Non. Les grands gagnants de cette histoire, c'est que le jour où il y a un magnifique fonds indiciel et on se prendra moins 60% sur la tronche, hein, soyez complètement convaincus par rapport à ça, on se les prendra les moins 80% dans, dans, dans la tête quand, quand ça sortira, puisqu'il faudra bien que les institutionnels prennent des profits. Hein. ETF, fonds indiciels, crypto, légal, réglementé, tout ce que vous voulez, moins 70%. Et à ce moment-là, on pourra éventuellement essayer d'encadrer des stratégies pour essayer de repondérer ou pour essayer de le faire en mode dollar cost average. Mais à la fin, les grands gagnants, ce seront eux, si vous croyez en cette technologie, en ces ruptures technologiques sur les 20 prochaines années. Tout simplement. Je vais vous dire quelque chose et je vais vous dire le fond de ma pensée. Aujourd'hui, quand on parle d'un DCA sur les crypto-monnaies, je vous parle de 10% de notre rémunération. c'est En fait, c'est énorme, en réalité, de le mettre 100% crypto parce qu'on ne serait pas diversifié. Je pense très franchement que le portefeuille des institutionnels, de la smart money, des banques, des family office, des hedge funds, etc., représenteront dans les 10 prochaines années entre 1 et 5% de leur allocation financière. Entre 1 et 5%. Il faut le comprendre comme ça. Hein. Et qui seront très probablement axés dans le top 20, top 30 des plus grosses capitalisations des crypto-monnaies. Et ces pondérations, c'est eux qui le feront. Eh oui, il faut vraiment le comprendre comme ça. Cherchez plutôt la facilité. Il ne faut pas être intelligent pour gagner sur les marchés financiers sur le long terme. Il faut juste être rationnel et être avisé. Et parfois, les choses les plus simples sont celles qui marchent le mieux. Le dollar avéré sur Bitcoin fonctionne très bien. Oui, sur Bitcoin aujourd'hui. Ça aurait peut-être mieux marché sur Ethereum, ça aurait peut-être mieux marché sur ce que vous voulez. Aujourd'hui, Bitcoin nous explique que, ouais, on est super rentable, même sur des creux de marché ou sur des bottoms de marché, parce qu'on a fait du dollar cost average à la semaine ou au mois, par exemple. Ou même à la, à la journée, 10 euros par jour sur Bitcoin, tous les jours, sur, euh, ça fait 3650 euh, euros par an. Pourquoi pas Je ne dis pas du tout le contraire. Je pense que d'autres actifs numériques vont surperformer Bitcoin dans les dix prochaines années et c'est ce qu'on vise aujourd'hui. J'espère que j'ai été clair sur cette vidéo. J'espère que je, je vous ai réellement aidé pour essayer de vous remettre dans, un, dans une espèce de bulle psychologique de bon sens. Donc la stratégie de 4 rois, comme toutes les stratégies que vous voyez aujourd'hui, qui sont des stratégies de risque management, seront obsolètes lorsqu'un tracker sur le top 50 ou le top 100 des plus grosses crypto-monnaies sera ouvert par JP Morgan, sera proposé par Goldman Sachs, sera proposé par Société Générale, sera proposé par ce que vous voulez. Maintenant, je vais vous poser une question et je vais vous finir et comme ça, on, on pourra réfléchir par rapport à ça. Je vous pose une question et j'ai vu pas mal d'articles passer sur Internet et sur Twitter. Est-ce que vous préférez mettre vos cryptos en banque Est-ce que vous préférez mettre vos cryptos sur un ledger Ou est-ce que vous préférez laisser vos, vos cryptos sur un échangeur Là, aujourd'hui, je vous pose la question. Vous choisissez plutôt Ledger, plutôt échangeur ou plutôt banque hein, Parce que vous, pourrez, vous avez la possibilité, avec Revolut par exemple, etc., de mettre vos cryptos dans un, dans, dans un wallet de directement hébergé avec vos clés privées à la banque. Vous allez me dire, mais Hermès, Ledger, bien évidemment. Ou, pa ou Paper, ce que vous voulez, vos 24 mots euh, euh, planqués dans un coffre-fort, dans une banque, bien évidemment. Vous, vous comprenez un peu le, le délire Ouais, ok, mais aujourd'hui, je vous pose la même question. Vous préférez mettre votre argent dans une banque, sous votre matelas, chez vous en réalité, ou euh, sur, euh, je sais pas moi, un échangeur euh, tra d'actions traditionnelles dans un fonds euro par exemple. Vous allez me dire, bah, je préfère le mettre à la banque. Bon. Alors en fait, cette logique-là, c'est complètement humain. Aujourd'hui, quand on voit dans l'environnement qu'on est actuellement sur les marchés du numérique et des cryptos crypto numériques, il faut juste comprendre quelque chose c'est qu'on est dans la peur. Et aujourd'hui, avoir notre argent en banque, ça nous fait peur à nous. Mais ça ne fait pas peur à 99% de la population, 95% de la population. Demain, ça changera pour nos cryptoactifs. Je pense que nos cryptoactifs seront dans 90% des cas hébergés dans une banque. Probablement JP Morgan, probablement Société Générale, probablement BNP Paribas, probablement tout ce que vous voulez, les grosses banques systémiques. Et ce sera normal, tout simplement. Et c'est ici qu'on aura le vrai cycle d'adoption. Dès lors, essayez de se confronter aux grandes banques systémiques aujourd'hui pour essayer de les défier sur leur propre terrain de jeu, c'est une bêtise, parce que personne ne viendra nous acheter nos tokens préférés, soyez complètement convaincus par rapport à ça. C'est super important de le comprendre. Donc aujourd'hui, mettre ses clés sur une légende c'est bien, puisqu'on essaye de faire une esp un espèce de rapprochement par rapport aux années 70, et à cette magnifique période de stagflation, et probablement qui découlera vers une euh, dépression par rapport à l'or, par rapport à cette forme de confiscation, de devenir des parias, c'est pas complètement impossible, mais partez du principe que demain ça changera et que la quasi-totalité de nos crypto-actifs préférés seront détenus par des banques. Ou par toute autre chose. Mais actuellement, je ne le sais pas et je ne le vois pas et j'investis toujours dans ce que je vois, et non pas dans ce que je crois. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, pour fêter cette magnifique lancée sur mon dollar cost average parfait, entre guillemets, donc je le résume très très simplement, complètement indolore, tenu sur le très long terme, bien pondéré, donc ça veut dire vraiment le 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5% et de préférence alloué par rapport à plusieurs classes d'actifs, mais ça c'est un choix très personnel, si vous voulez être 100% crypto, c'est un risque, le risque est, gigantesque il faut juste le comprendre comme ça il faut vraiment l'intégrer acheter du bitcoin c'est pour vous peut-être moins risqué que d'acheter de polkadot de l'atom cosmos ou du chiliz non c'est de la crypto la crypto est une classe d'actifs extrêmement risquée extrêmement spéculative il faut vraiment bien le comprendre comme ça tout simplement voilà j'espère que je vous ai aidé et pour aller un peu plus loin voilà les seuls qui proposent ce type de choses hein, euh, enfin les seuls par rapport à cette idée de pondération, c'est ça que je veux, préfère vous, vous dire, c'est SwissBorg, en fait, avec les thématiques. Les thématiques, on a l'impression que c'est 10 cryptos qu'ils ont prises, et puis derrière, vous pouvez investir directement dans les thématiques, 5%, 10%, bon, c'est pas complètement pondéré parfaitement, mais en fait, toutes les 3 semaines, ou toutes les 2 semaines, je ne sais plus, il y a une pondération qui est faite. Donc on va aller chercher du plus 0,5% ou du moins 2% par rapport à une certaine qualité active, Par exemple, bah Swissborg va baisser un petit peu au profit de Atom, Atom va augmenter au profit de Secret ou NIR Protocol va fortement augmenter vis-à-vis -vis de Solana. Donc il y a une forme de pondération par rapport à un calcul mathématique hein, qu'ils font en interne et qui en fait pondère ça. Bon actuellement, vous le voyez pas parce que quand on, si vous avez Swissborg, ça peut-être que ça vous fait sourire. Moi personnellement, je le comprends. Enfin, hein, je le comprends comme ça et ça me fait aussi sourire pour le coup. Je vois votre pondération a été faite, ou en tout cas votre rééquilibre. Librage a été fait, ça me fait juste marrer, puisqu'il y a marqué on est passé de, de 9,5 à 10 et de 10 à euh, 9,5 et de 5 à 5,5 et de 5 à 4,5, ok mais ça sert à rien, ouais mais en fait si vous regardez l'intégralité de nos crypto actifs refrains elles bougent pas en fait, elles sont toutes pareilles, ça bouge pas. Donc quand vous aurez des vraies disparités, je prends un exemple sur, ce, je, je prends n'importe quel exemple, je sais qu'il y a Solana par exemple sur euh, sur Swissborg. Je prends Solana actuellement qui est dans le bas fond du désespoir, de, de la catastrophe, euh, des enfers. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire de plus vis-à-vis -vis de Solana. Ne le jetez pas trop vite trop par terre, bien évidemment. Mais moi ce que je veux voir, c'est que ma thématique au niveau de ma pondération vis-à-vis -vis de Swissborg, si Solana fait quelque chose comme ça et beaucoup de cryptos en fait font quelque chose comme ça par exemple, eh ben, je veux voir une nouvelle pondération. Donc je ne sais pas quel est leur calcul mathématique, ce serait peut-être d'ailleurs intéressant d'essayer d'en parler avec eux pour essayer d'aller dans le secret, si vous voulez, de Suisseborg, en tout cas d'avoir des premières pistes de ces réflexions. Mais si vous voyez des choses comme ça vis-à-vis -vis de la thématique Suisseborg, bah logiquement, ça devrait être surpondéré. Je dis bien surpondéré. Et si le token CHSB, parce que beaucoup ont des, 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 des approches comme telles, oui, c'est un petit peu fort de savon que CHSB c'est 10%. Bon, en même temps, ils défendent leur beef tech. Hein. Vous savez, BNB, vous êtes obligé pour faire les launchpad etc., d'avoir du BNB. Tout est corrélé par rapport au token de leur, de leur communauté qui est un token d'exchange. Et c'est du BNB. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est un petit peu. Euh, tout le monde essaie de défendre son, son beef tech. Je ne suis pas contre du tout vis-à-vis -vis de ça. Mais si vous voulez du CHSB qui fait quelque chose comme ça et du Solana qui fait quelque chose comme ça, moi je veux pas avoir une pondération euh, CHSB sur la thématique qui renforce et une pondération qui est euh, qui est amoindrie sur Solana par exemple. L'objectif de ces thématiques, l'objectif de ces fonds indiciels, l'objectif de ces trackers, c'est de c est, c est de répondre en fait à cette à cette, à cette, à cette euh, on dit ça à cette évidence, on veut dire ça comme ça, c'est faites courir vos gains et couper vos pertes. Voilà, c'est ça le tracker sur les fonds indiciels. C'est faites courir vos gains et couper vos pertes. Voilà pourquoi aujourd'hui, très peu d'institutions, de, de, très peu de traders, très peu d'investisseurs surperforment le marché. En fait, ils, ils sous-performent les trackers, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé. Je vous propose pour lancer ce mois de mai-juin un gros giveaway, je distribue 5000 dollars, que ce soit sur swissboard ou sur Bybit, c'est extrêmement simple, vous aurez tous les liens dans la description. Pour les 100 prochains inscrits sur Swissborg, vous avez 50 dollars de garantie. En plus du petit ticket, vous savez que vous avez un ticket de 1 à 100 dollars. Donc pour les 100 prochaines nouvelles inscrits qui passent par le lien d'affiliation des du Bitcoin, je vous garantis 25 dollars. Tout simplement. Et pour Bybit, je vous garantis également 25$ dollars, et vous avez actuellement 25 USDT en bonus par rapport au contrat futur. Je parle bien du contrat futur. Et moi, je vous rajoute 25 USDT directement sur le spot. Donc, ça fera pour 200 personnes. Donc, 100 ou peut-être les mêmes pour le coup. Mais voilà, jusqu'à 5000$, vous faites 100 fois 25 euh, x 2, euh, 5000$ tout simplement. Donc j'espère que ça vous plairait. On le tend jusqu'à la fin du mois de juin. Pourquoi Parce que je crois que ça, ça va jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà, ça, ça va jusqu'à la fin du mois de juin. Et ça, bah, c'est toujours la même chose sur Swissborg. Voilà, c'était pour euh, redistribuer une très grande partie, là pour le coup, beaucoup plus. Mais je pense que si on peut le tenir... Et, et ça permet en fait, de, d'encore une fois, de bien appuyer euh, cette, cette, cette idée-là de toute petite somme d'argent sur du très long terme qui peuvent réellement nous démarquer et nous faire vivre peut-être nos... Nos objectifs de liberté financière, mais c'est pas dans une semaine, c'est pas dans deux ans, je compte plutôt 20 ans sur ce type de stratégie, et je reniflerai et je serai très attentif à ces fameux trackers crypto par rapport à des vrais cryptos qui seront proposés par nos banques systémiques. Parce que je pense que ça ne changera pas dans dix ans. Je ne suis pas pour l'effondrement cataclysmique bancaire planétaire, pas du tout. Je pense qu'on ira avec beaucoup plus de dettes et euh, je pense que ça pourrait très bien plaire à beaucoup de bons pères de famille de pouvoir euh, indirectement euh, travailler et participer à cet effort de rupture technologique. Pensez à moi quand vous aurez du PNP Paribas, du Crédit Agricole, marquez cette vidéo au fer rouge encore une fois et quand vous aurez la Société Générale qui vous propose votre petit wallet avec vos 10 cryptos préférés qui ont le plus performé dans l'année 2031, que vous pouvez avoir en un seul clic et avec 10 euros par mois pour votre enfant en livret A et livret A crypto. Pensez à ça parce que honnêtement, c'est très probable qu'on y aille et ce sera juste dingue en fait. Et là, vous pourrez dire, ok, il y a 10 ans, j'y étais.